Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour papoter un petit peu cadeau de fête des mères. Parce que oui, je vous ai déjà fait ce style de vidéo il y a quelques temps, j'essaierai de vous la remettre dans le petit i. Mais j'avais envie de vous proposer des petites choses, des petites idées. Et il y a 15 idées de cadeaux pour la fête des mères. J'essaierai de vous incruster à chaque fois des images ou des photos pour illustrer mes propos. Mais je vais essayer d'être ordonnée, efficace pour que vous ayez un maximum d'idées pour les prochains jours, parce que oui, la fête des mères arrive très très bientôt, donc il faut commencer à se pencher sur l'histoire. Évidemment, acheter un cadeau pour la fête des mères n'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir à une maman qui se prend tout son temps pour ses enfants. Du coup, bah voilà, 15 petites idées pour une femme, une maman, pour quelqu'un que vous appréciez vraiment, ça peut que, je l'espère, vous aider. Dès maintenant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît, si le thème vous plaît, si vous avez envie de me soutenir, et de vous abonner, c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram au passage si... Voilà, hein, je vous partage pas mal de choses là-bas aussi. J'ai ma petite liste sous les yeux, histoire de rien oublier. Premièrement, le premier cadeau idéal. Vous avez une idée, non? C'est genre la base de la base. Bah oui, évidemment, vous aussi vous y avez pensé. C'est tout ce qui est parfum, produits de beauté. Et du coup, on va en numéro 1 parler de parfum, puisque pour moi, ça me paraît être le cadeau le plus facile et le plus... comment vous dire, le plus personnalisé possible, puisque maintenant, grâce à plein de sites, vous pouvez avoir des parfums un petit peu sympas, avec différents styles d'odeurs, que ce soit fleuri, sucré, adapté pour votre maman ou pour une maman, ça dépend pour qui vous l'offrez, et vous pouvez même faire personnaliser le parfum. Par exemple, sur Sephora, vous avez toute une flopée de parfums qui sont juste divins. Il existe en plus en ce moment chez Sephora pas mal de petits produits en mode package, exprès pour la fête des mères, hein. ils sont au top, nos Sephora quand même parfois, et là, ils vous ont concocté tout plein de séries, de coffrets, spécial fête des mères avec le parfum et la bougie qui est assortie, ou le parfum et le gel douche qui est assorti. Vous avez vraiment de quoi vous éclater. D'ailleurs, en ce moment, chez Sephora, vous avez moins 25% sur les coffrets, les choses comme ça. De toute façon, je vous mets toutes les offres dans la barre d'infos, mais c'est toujours bien aussi d'acheter un beau cadeau avec un petit code promo, ça fait toujours plaisir. Donc comme je vous le disais, il existe même des coffrets avec des petites miniatures de parfums, comme ça, si vous êtes une maman comme moi et que vous adorez les miniatures de parfums, bah, ça fait toujours plaisir, et puis vous pouvez peut-être trouver votre bonheur parmi toutes ces miniatures. Il existe des parfums accompagnés de leurs miniatures aussi dans un coffret. Il y a le fameux parfum Carolina Herrera que j'adore vraiment à la folie, ce parfum-là, avec la bouteille en forme de chaussure. Je trouve que c'est un parfum super classe à offrir. En plus, l'odeur est divine et je pense qu'elle peut plaire à beaucoup de femmes. Et accompagné de ce parfum, vous avez la petite bougie. Donc, c'est toujours un petit bonus en plus comme ça. C'est la même chose pour Lancôme. Il propose en ce moment... le parfum, la vie est belle, avec la petite bougie à côté. Donc ça reste des beaux coffrets, des marques très connues et avec des promos en plus d'un cadeau en plus. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est juste le top. Donc l'idée numéro 1, ça reste les parfums, les coffrets de parfums, que ce soit petit, moyen ou grand budget. Deuxième astuce, si votre maman adore prendre soin de ses petites mains, vous pouvez lui offrir un petit coffret avec des petits vernis, des petits soins, ou même tout un kit avec des vernis semi-permanents, histoire de pouvoir tester, de pouvoir se lancer. Il y a vraiment de quoi faire, mais je sais que moi, toutes les copines que j'ai et toutes les mamans que je connais, finalement, aiment bien tout ce qui est vernis et s'y mettent tout doucement, de plus en plus. Donc je pense que ça peut être une astuce aussi. Et il y a parfois des femmes qui aiment bien prendre soin de ses mains, mais qui aiment aussi faire des soins des mains. Donc ça peut être aussi une astuce, un petit cadeau comme ça, dans un petit institut, faire un petit soin des mains avec une petite manicure, ça fait toujours plaisir. Troisième cadeau qui me ferait très plaisir à moi aussi, c'est du maquillage, puisque nous restons des femmes, les mamans, hein, ça aime prendre soin de soi. Du coup, une petite palette de maquillage ou un petit coffret de maquillage avec une petite poudre pour le visage, un petit blush, voilà, ces choses assez basiques qu'on aime énormément. Et bah pareil, encore une fois, mon site de référence, ça va être Sephora, puisque là-bas, c'est là-bas que je craque le plus, hein. Et oui, il existe plein d'autres magasins, il existe
existe Nocibé, Marionneau, etc., qui proposent aussi parfois des offres. Mais c'est vrai que sur Sephora, là, ils ont mis le paquet encore une fois cette année avec des coffrets, des kits. Et à l'intérieur, vous avez des jolies petites choses à offrir. Par exemple, le petit coffret de chez Tarte avec 4 palettes, dont 3 pour les yeux et 1 pour le teint. Je trouve que ce cadeau est une super idée cadeau. Il y a aussi Guerlain, parce que Guerlain, ça reste mythique, hein, la fameuse terracotta de Guerlain, qui propose un petit kit avec la poudre terracotta, une petite trousse et un rouge à lèvres. Le tout pour un prix qui reste quand même raisonnable, surtout si on arrive à gratter un petit -25% là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a des super coffrets là. Ils ont aussi fait Sephora un petit kit Dior avec des produits pour les lèvres. Si vous avez une maman qui ne prend pas, qui n'aime pas trop se maquiller, mais qui aime bien prendre soin de ses lèvres, avoir des lèvres hydratées, ce kit-là pourra lui plaire. La marque Rare Beauty a sorti un nouveau petit kit aussi avec un petit blush. D'ailleurs, ce blush-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai, je pense que c'est la même teinte que j'ai, et les lips soufflés pour les lèvres. Donc, un petit duo lèvres et joues, qui est très sympa, avec un tout petit prix, à moins de 20€, je trouve ça trop cool. On a la fameuse palette Pat McGrath avec Bridgerton. Je suis sûre que votre maman, elle a adoré la série Bridgerton. On en a entendu énormément parler. Et cette palette, quand même, ça reste un très très beau cadeau pour la fête de mère. Tout comme la palette pour le teint, hein, qui est un tout petit peu moins cher, et qui propose de petits blushs comme ça, un petit highlighter pour être toute belle. Si, encore une fois, votre maman aime les produits un petit peu de luxe, elle pourra être ravie de recevoir un coffret comme ça de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle le Pillow Talk, qui reste le rouge à lèvres le plus connu chez Charlotte Tilbury, le must-have. Là, il y a un crayon, un rouge à lèvres, etc. Donc ça vaut grave, grave le coup, je trouve. Et voilà, ça reste un petit kit très très sympa là pour les lèvres, pour se faire plaisir, pour faire plaisir à sa maman, parce qu'on peut aussi se faire des cadeaux à nous-mêmes. By Terry a sorti aussi une palette un petit peu en mode Paris avec des nudes qui pourront être adaptées à toutes les mamans, toutes les femmes qui aiment se maquiller mais sans utiliser de grandes couleurs. Ils sont restés dans des couleurs neutres, nude, rosé et marronné. Et honnêtement, elle a l'air très très sympa cette petite palette. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais elle me donne envie. Il faudrait que j'aille mettre mes doigts dedans pour voir un petit peu ce qu'elle vaut. Et dans ma sélection un petit peu en mode pour les mamans au niveau maquillage, il y a le fameux bronzer qui est trop trop beau, un peu bronze and glow comme ça de chez Clarins, une édition je pense limitée pour les beaux jours là. Ce truc là me donne tellement envie, il est trop beau. Et un petit dernier coffret qui pourra faire plaisir aussi à des jeunes mamans, je trouve, à 40€, c'est un coffret de chez Huda Beauty avec le fameux bronzer Glowish, le peeling qui est top Wishful et un duo là pour les yeux. Vraiment, il y a des petits coffrets très sympas là pour la fête des mères sur Sephora. Quatrième possibilité, hein, si on n'a pas trouvé encore parmi tout ça, ça reste tout ce qui est coffret soin, soin du visage, voilà. Vous pouvez toujours acheter une petite crème pour le visage, une petite crème peeling. Il y a aussi de quoi faire sur Sephora, il existe aussi plein de petits coffrets. J'essaierai de vous mettre un maximum de sélection dans la barre d'infos et un maximum de petites photos ici qui peuvent vous aider à choisir. Mais ça reste une idée facile. Vous avez de quoi faire sur Yves Rocher, sur Sephora, sur Nocibé. Vous trouvez toujours des petits soins, pas forcément hyper chers et qui font très plaisir. Moi, c'est vraiment aussi un style de cadeau que j'aime. En fait, moi, je suis pas compliquée. Hein. J'aime un peu tout. Mais je trouve que les soins là, pour le visage, pour le corps, ça fait toujours plaisir. Peut-être même offrir des petits produits qui pourront servir pour l'été à base de Monoeil ou solaire, tout ça. Pour les prochaines vacances, ça fera aussi plaisir hein, puisque la fête des mères, elle arrive pas loin avant les vacances, donc faut essayer de rendre l'utile à l'agréable, un cadeau qui servira. Cinquième idée cadeau, ça reste un beau stylo. Il existe vraiment pas mal de petits stylos de qualité à offrir et qui font plaisir. Par exemple, moi, on m'a déjà offert un stylo Swarovski avec des petits cristaux de Swarovski à l'intérieur. Et c'est un cadeau que j'aime énormément. Je le trouve très beau, j'aime bien le sortir de mon sac à main. Je trouve qu'il est classe, il donne cette petite touche un petit peu différente. Donc, en ce moment, on évite de toucher les stylos qui traînent dans la rue ou quand on est à un rendez-vous, on évite de se toucher les stylos que tout le monde a touchés. Du coup, avoir un très beau stylo à la fête des mères, ça peut être une très belle idée cadeau. En sixième point, les sacs à main, évidemment, ça reste un cadeau très sympa. Hein. Que ce soit un sac à main, entre guillemets, de marque basique, du style Primark, ou un sac à main parfois, ou voilà, des marques un petit peu comme ça,
moyenne gamme, petit prix, eh bien, ça fera toujours plaisir. Évidemment, on essaie de faire en sorte que ça soit dans le style de votre maman ou de la maman à qui vous voulez l'offrir. Parce que cette vidéo peut être destinée à des papas qui cherchent des idées pour leur femme. Hein, on sait comment ça se passe. Et ça peut être une deuxième idée, c'est un sac à main de luxe, mais version seconde main, que vous avez trouvé sur des sites spécialisés pour le luxe seconde main. Je les connais pas comme ça par cœur, mais je sais que ça existe un peu dans le style vintage, mais vraiment... pour les sacs de luxe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je me rappelle plus. Je crois que c'est vestiaire, quelque chose. Je m'en sers jamais, mais c'est vrai que je devrais peut-être m'y mettre un petit peu et aller fouiner parce que je sais que certaines personnes font des pépites au niveau de la seconde main et des sacs de luxe. Donc pourquoi pas, c'est aussi une idée. Allez fouiner aussi chez Emmaüs, des choses comme ça, si vous trouvez vraiment le sac à main un peu vintage, collector. Ça peut être... Et évidemment, ce qui peut compléter le sac à main, c'est d'offrir peut-être un petit portefeuille, soit qui va avec le sac à main, soit juste un portefeuille, parce que votre maman n'en a pas, ou le sien est trop vieux, et lui en offrir un, voilà, pour renouveler un petit peu tout ça. Ça peut être très sympa, une idée pareille, qui reste moyenne gamme. Ça dépend ce que vous trouvez, il y a plein de portefeuilles différents, petit prix et plus grand prix. Mais ça peut être une idée à garder en tête. Et alors pareil, le petit sac aussi qui peut faire plaisir avant l'été, encore une fois, c'est peut-être un beau sac de plage que vous trouvez dans plein de magasins. Un beau sac de plage que vous allez trouver et qui va pouvoir servir pour l'été à votre maman et qui va être un petit peu classe, mais raffiné, sans être... Je pense qu'il y a moyen de trouver un beau sac de plage aussi et ça pourra faire plaisir à une maman. Bon, évidemment, je vous donne des idées hein, parmi d'autres. Il faut sélectionner celle qui vous plaît. Mais moi, je vous partage un petit peu les idées que j'ai eues. Mais évidemment, si vous en avez d'autres, vous partagez aussi dans les commentaires. En septième position, j'ai pensé à des vêtements. Que ce soit des vêtements de marque ou pas, ou même à des cartes cadeaux vers des enseignes de vêtements, ça fait toujours plaisir parce que votre maman, elle a besoin de s'habiller aussi. Et un petit pull de telle marque ou un petit chemisier de telle marque. Et puis alors si vous voulez aller vraiment sur le summum, peut-être lui proposer un petit chemisier en soie. Moi j'adore mon chemisier en soie que j'ai, je sais plus la marque, mais je vous la remettrai ici et dans la barre d'infos. C'est vraiment un chemisier que j'aime beaucoup porter, c'est hyper frais, hyper doux sur la peau, c'est vraiment top. Donc si vous voulez faire un petit cadeau comme ça, une petite chemise en soie, ça fait toujours plaisir. Ça reste un produit de qualité en plus. Vous pouvez aussi lui offrir, c'est vraiment en mode haut de gamme, un pull en cachemire, pourquoi pas. Il en existe aussi des très bien. Donc ça reste des petites idées, un petit vêtement comme ça, ça peut toujours faire plaisir. En numéro 8, une bougie. Oui, parce qu'il y a des super bougies et si votre maman est un petit peu... fan de bougies, ça peut vraiment lui plaire, des bougies parfumées, du style les bougies de Charroux. Mais il existe aussi des bougies personnalisées, avec la photo de vos enfants par exemple dessus, que vous pouvez faire sur certains sites internet, donc pourquoi pas. Mais la bougie, ça reste vraiment le petit cadeau sympa. Et alors, il y a aussi les bougies avec le fameux bijou à l'intérieur, du style ma jolie candle, etc. Et ça aussi, ça fait plaisir. En numéro 9, bah, les photos, hein, les photos, les albums personnalisés, tout ça, hein. Comme par exemple, moi je suis très très fan de l'application Lalalab. Sur Lalalab, j'imprime mes petites photos en mode vintage, j'imprime aussi parfois des petits albums, des agrandissements des photos de mes enfants. Vraiment, on peut faire plein de choses sur Lalalab et faire des petits cadeaux pas trop chers, hein. Là, il y a vraiment pour tous les prix, selon vos envies, selon votre budget. Donc n'hésitez pas à les fouiner. Pareil, je crois que j'ai un code promo, si ça vous intéresse, je vous les mets dans la barre d'infos. Tout ce que je trouverai qui peut vous aider pour avoir un truc moins cher, je vous mets dans la barre d'infos. Mais c'est vrai que sur Lalalab ou sur les applications de photos, tout ça, on peut faire des jolies choses et des petits cadeaux un petit peu personnalisés comme ça, très sympa. En numéro 10, j'espère que je suis bon dans mes comptes, parce que je m'y perds un petit peu. En numéro 10, un soin. Alors moi, c'est le cadeau de fête de mère que j'adore le plus. Mon mari m'avait offert, à plusieurs reprises d'ailleurs, un soin pour le corps, en mode relaxant. Et ça, j'aime trop. Vraiment, je vous le dis, j'aime trop. Donc ça, c'est un cadeau, je pense, qui pourra faire plaisir à beaucoup de mamans. Par exemple, moi, j'ai fait un soin Lush. Je vous avais fait une vidéo, je crois, à l'époque. Je sais pas si elle est encore en ligne, je vous la mettrai dans l'outil. Mais dans le spa Lush à Paris, c'est juste un soin qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, tellement il est trop, trop bien, ce spa Lush. Donc un soin dans un institut, que ce soit Lush, Nocibé, Yves Rocher, etc. Ou même dans le petit institut à côté de chez vous, ça fait toujours plaisir. Donc vraiment, les soins pour le corps en mode massage, relaxation, c'est le kiff ultime, je trouve.
En 11e cadeau, j'ai placé les fleurs. Alors ça reste un must-have, tout le monde connaît, tout le monde offre souvent des petites fleurs à sa maman. Donc ça reste toujours un cadeau qui fait plaisir. Moi j'aime beaucoup en recevoir aussi. De temps en temps j'en reçois par mon mari et ça me fait toujours plaisir. Donc je vous conseille aussi, si vraiment vous n'avez pas d'idée, c'est le cadeau basique, ultime. J'aime bien en offrir aussi à ma belle-maman parce que je trouve que voilà, ça, c'est la petite touche en plus. Ça accompagné d'un parfum, voilà, c'est la petite, c'est le petit cadeau qui fait plaisir. D'ailleurs, sachez que dans certains fleuristes, il y a vraiment des super choses à acheter. La dernière fois, je suis allée me balader chez mon fleuriste, pas très loin d'ici. Et honnêtement, j'ai découvert des super plantes, des cadeaux pas très chers. Il y a vraiment de quoi faire des beaux cadeaux à petit prix. Et ça reste des cadeaux très très sympas à offrir à votre maman, à votre tante, etc. Donc, allez voir dans vos fleuristes. Vraiment, allez voir. En numéro 12, les fameux petits bijoux. Et moi, je suis une grande fan de bijoux, mais des bijoux discrets. Par exemple, là, je porte un petit bijou comme ça de Ana Luisa et j'aime beaucoup. Hein. Ça reste des bijoux pas trop trop chers et de très bonne qualité. Là, j'ai le petit cas de Karine sur moi autour de mon cou. La dernière fois, j'avais des boucles d'oreilles que j'adore. Ma fille aussi en a et il y a des offres pour la fête des mères. Hein. Je vous en avais déjà parlé. Ça reste une petite marque que j'aime beaucoup. Donc vraiment, les bijoux, allez fouiner sur certains sites. Il y a souvent des offres et vous pouvez faire des petits cadeaux très très sympas à votre maman. En numéro 13, évidemment, de la décoration, un petit vase. Moi, j'ai déjà reçu un vase personnalisé par mon mari avec la date de la fête des mères, je crois, je ne sais plus, il y avait écrit super maman dessus, c'était gravé. C'était trop mignon, j'ai trouvé ça trop beau comme petit cadeau. C'était ma première fête des mères d'ailleurs, donc c'est pour ça que c'est resté un petit peu marquant, je trouve. Et ben pourquoi pas un petit vase, une petite décoration pour la maison si votre maman a un style particulier dans sa maison, ou même pourquoi pas aller chiner chez Emmaüs des petites choses comme ça de décoration un peu vintage qui seront parfaits pour sa décoration intérieure. Pareil, ça reste du petit prix et vous pouvez faire plaisir. En numéro 14, si votre maman travaille encore, vous pouvez lui offrir aussi des accessoires de papeterie, des petites choses qu'elle mettra sur son bureau, que ce soit son bureau en télétravail à la maison ou son bureau au travail directement. Voilà, il existe plein de types de carnets, de papeterie très jolis qui feront très plaisir et qui permettront de l'accompagner dans son quotidien. Et pour finir, après toutes ces idées, en numéro 15, j'ai pensé aux cadeaux personnalisés. Parce que moi, j'aime beaucoup faire des cadeaux personnalisés. Et c'est vrai que grâce à ma grande machine, la Cricut, eh bien, j'arrive à faire pas mal de petits cadeaux personnalisés. Et ça fait toujours plaisir, le petit cadeau avec le prénom, avec écrit Super Maman. Ou... voilà, ce petit truc-là, un petit peu différent que personne n'a, eh bien, grâce à la Cricut, vous pouvez l'obtenir. Et alors, si votre maman est créative, en mode comme moi, elle aime bien faire tout plein de choses avec ses mains, pourquoi pas lui offrir la Cricut Joy ou la Cricut Explore. Il y a souvent des offres et il y a des gros bons plans hein, Cricut. Allez fouiner, je vous en parle aussi régulièrement sur Instagram. Et là, d'ailleurs, en ce moment, il y a une super offre. Pour l'occasion de la fête des mères, Cricut a décidé de mettre un kit complet pour l'achat d'une Cricut. Donc quand vous achetez une Cricut, par exemple si vous l'achetez pour votre maman ou pour vous, hein, vous avez le droit de faire plaisir, eh bien Cricut vous offre un kit complet. Je vous montre à l'image un petit peu le kit. À l'intérieur, vous avez pas mal de vinyles qui permettent de faire des produits personnalisés. Vous avez les premiers accessoires pour votre Cricut. Vous avez aussi des stylos. Vous avez vraiment tout le nécessaire pour débuter avec enthousiasme toutes vos créations Cricut. Et ce kit est complètement offert dès que vous avez acheté la Cricut Maker 3. De toute façon, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, mais je trouve très sympa que Cricut fasse des lots comme ça un peu cadeaux. Ils font souvent ça. Souvent, à l'achat d'une Cricut, vous pouvez obtenir un petit kit comme ça avec des premiers produits et c'est juste génial. Voilà pour mes idées fêtes des mères. Si vous en avez d'autres à partager, n'hésitez pas. Mais j'espère que parmi ces 15 idées, vous allez pouvoir vous trouver votre bonheur. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous décidez de craquer. N'oubliez pas aussi de passer par les sites de cashback, Poulpeo, iGraal et eBuy Club, parce que tous ces petits sites-là vous permettent de récupérer un peu de sous sur vos achats pour vos mamans. Hein. Et moi, je vais réfléchir pour la mienne, parce que après vous avoir donné toutes ces idées, j'ai même pas encore réfléchi pour ma mère, mais je pense lui faire un petit produit personnalisé parce que j'ai quand même quelques idées avec ma Cricut. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous voulez aussi des tutos Cricut, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans les commentaires. Et puis, je vous fais des gros bisous. Salut !